ka gen plus moun. Thank you.
encore une fois. Bienvenue aussi avec mon cap suivre nous en ligne. Nous disons bienvenue à tous dans le service de 10 mars. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Et nous savons que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça que ce matin, nous nous disposons pour pouvoir crier le Seigneur est Yahweh. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement. Il nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Bon, notre motivation. Dis merci Seigneur. Allah au grand Seigneur. Au merveilleux Seigneur. Alléluia. 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 Où c'est Yahweh. 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 Alpha et l'oméga. Dieu dans cette salle. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je vais vous demander de vous mettre debout pendant que nous allons faire cette lecture de psaume ensemble. Nous allons faire cette lecture de psaume ensemble. Nous allons lire dans le psaume 27. Le psaume 27. Vous y êtes. Amen. 3, 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel
pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas avec, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne me m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Redisons le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ferme les yeux au matin. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu es notre espérance. Seigneur, ce matin, tu es celui qui nous garde. Seigneur, ce matin, nous disons que même quand il y a 1000 qui tombent d'un côté et 10 000 à ta droite, tu es le roi des rois. Seigneur, ce matin, nous t'élevons. Seigneur, ce matin, nous disons merci pour un Pâque qui est venu t'adorer, cher papa. Un Pâque, cher Seigneur, qui a trouvé bon de pouvoir, cher Seigneur, t'élever parce que tu es digne. Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Action de grâce à l'Éternel. Déjà, nous disons action de grâce à l'Éternel. Action de grâce pour tout ce que tu as déjà fait pour nous pendant toutes les années. Action de grâce pour les hommes qui sont dans cette salle. Action de grâce pour les femmes qui sont ici. Action de grâce pour les jeunes et les enfants qui se réunissent ici dans cette enceinte. Seigneur, nous remercions, Mathieu. Merci pour grâce. Merci pour bonté. Merci pour miséricorde. Parce qu'on est toujours là. Ou toujours là avec nous. Ou toujours là pour nous. Ou toujours là pour nous, Mathieu. Par ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Préparez cœur. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Alléluia. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin.
Applaudissez le Seigneur ce matin. Applaudissez le roi des rois ce matin parce que nous sommes jamais, jamais, jamais nous sommes seuls. Il est toujours là. Pendant que vous êtes debout, nous allons faire une lecture ce matin. Et cette lecture, nous allons le faire d'une façon fragmentée parce qu'il y a plusieurs passages qui nous intéressent ce matin pour la parole de Dieu. Donc nous allons le faire dans Exode 20, le verset 5. Genèse 50, le verset 22 à 26, et en dernier lieu, Job 7, le verset 17 à 18. Exode 20, le verset 5, il dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Genèse 50, le verset 22 à 26. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera. » et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Dernier passage, Job 7, versets 17 à 18. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants ?» Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons continuer dans cet esprit d'adoration. Ce matin, je crois que le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire pour chaque personne qui est ici dans cette salle. Pendant que vous êtes rentré ici avec un esprit disposé, j'aimerais ça que vous fermez tout ce que vous avez qui vont vous essayer de faire comprendre que Dieu n'est pas grand dans votre vie et que vous laissez la porte ouverte à la bonté et à la grâce de Dieu. Pendant que nous allons passer dans un moment extraordinaire d'adoration. Jésus, au merveilleux nom, Jésus.
parfois, j'ai su, suis dans le mal, je suis tombé. Oui, ton nom puissant m'a relevé. Amen. Précieux nom de Jésus. Relève Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Relève Jésus, Jésus, oh merveilleux ton nom, oh, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour tout. Et lorsqu'avec lui je serai. Et lorsqu'enfin je le verrai. Je le verrai. Alors sans fin je redirai. Précieux nom de Jésus. Relève Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Levez-vous. Jésus, oh merveilleux. Jésus, Jésus, suprême rançon. Et lorsqu'avec lui je serai. Amen, amen, amen. Et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai. Précieux nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une assemblée qui veut dire Jésus, béni soit ton nom. Oui, Jésus, béni. Sois adoré et pour. Oui, Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, Jésus, suprême. Pourquoi on capable adorer mon Dieu matin? Caprelé le Jésus qui compte sauver nos problèmes. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Oh merveilleux don, oh Jésus, suprême. Est-ce qu'il y a un monde qui connaît les Jésus? Et puis Jésus pour ton solution pour lui matin. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Renoncer à tes droits. Oui, m'abandonner. M'abandonner, ma mère. Fais-moi
Jésus m'a renoncé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut vraiment renoncer avec tout? Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te v'lé, que volonté pas passée. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te v'lé, fais-moi j'en voulais. Oui, Jésus, Jésus m'a renoncé. Tout ça m'te v'lé, que volonté pas au passé. Jésus m'a renoncé à tout ça m'te v'lé, fais-moi j'en. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu descend le appel au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Reprends le Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes le coup, qu'il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus m'a renoncé, Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te v'lé, que volonté pas au passé. Plongez, plongez d'adoration en matin. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te v'lé, fais-moi chanter. Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. Au fond de son cœur, il trouve l'origine.
les mains, on dit les cacher. Les cacher dans moi, non, mais tant au roche, les couvriments, pas l'ombrage. Écoute, y'a, écoute, y'a. Fardeau pour moi. Fardeau pour moi. Il me soutient afin que je sois vainqueur. Je marche aujourd'hui par la foi. Oh oui, mon âme. Oui, ben c'est caché. Et Dieu m'y couvre par ça. Et si du monde de ma vie. Plein d'élan, moi châtis pécheur. Moi châtis pécheur, je marche sa grâce touche. Oui, mon âme. Quelqu'un dans la salle qui n'a pas peur ce matin parce qu'il se croit. Ils sont basés sur la foi et ils sont basés sur Dieu. Ce matin, je vais t'inviter de te mettre debout parce que nous allons faire une prière de foi ce matin. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas peur, ça qu'a privé au demain. Ou tu n'as pas peur, ça qu'a privé au demain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait arriver dans cette vie? Tu n'as pas peur parce que tu sais que Dieu a le contrôle de ta vie. Dieu a le contrôle de ce qui se passe. Ce matin, où sont les guerriers qui n'ont pas peur? Où sont les guerriers qui vont se lever et dire, j'ai pas peur? Même si le monde s'ébranle, j'ai pas peur. Même si, oh oui, les choses sont en feu, j'ai pas peur. Même si le monde ne me comprend pas, mais je n'ai pas peur. Même si je suis isolé, je n'ai pas peur. Même si je ne vois pas tout le temps les solutions, mais je n'ai pas peur. Parce que mon roc, c'est le Jésus puissant, le merveilleux sauveur. Alors, élevons nos voix ce matin, nous allons prier ensemble. Papa Wadewa, nous te remercions ce matin. Merci parce que tu as fait de nous une assemblée sainte, papa. Merci parce que tu as fait de nous une sacerdoce royale. Oh oui, nous te remercions ce matin parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu vrai, le Dieu qui garde ses enfants, le Dieu qui nous
n'oublie jamais. Oh oui, tu dis que, oh, de même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, de même que tu éloignes de nous nos transgressions. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci pour Jésus qui est venu, qui a pris nos péchés, qui les a portés sur son dos, qui a monté le calvaire pour nous donner la vie. Merci pour la vie ce matin, la vie qui nous libère, la vie qui nous régénère, la vie qui nous sauve ce matin. Nous te remercions, Papa, et c'est pour ça que nous avons la confiance de ne pas avoir peur ce matin, quel que soit ce qui arrive dans notre vie, quel que soit comment les choses peuvent se présenter. Nous n'avons pas peur ce matin. Nous avons la confiance que tu es capable de nous diriger. Tu es capable, oh oui, le maître qui est sur le bateau est capable de diriger le bateau au bon port. Papa, nous remercions au matin. Merci pour l'église qui campait encore, cher Papa. L'église qui campait pour adorer, l'église qui campait pour les prier. Alléluia, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta bonté qui ne finit pas, cher Papa. Merci pour ta compassion qui n'a pas de limite ce matin. Ce matin, nous te remercions pour chaque personne présente. Ce matin, malgré les situations, mais tu es le Dieu de notre vie. Alléluia. Tu es le Dieu de notre vie. Tu es le Dieu de notre vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison parce que tu es le Dieu de notre vie. Ce matin, nous espérons en toi. Ce matin, nous savons que c'est toi qui es capable. C'est toi qui es capable ce matin. Et si vous avez des douleurs ce matin, mettez-moi au côté douleur et dis, Seigneur, guéris-moi ce matin. Seigneur, guéris-moi ce matin parce que la guérison est en toi. Tu es le docteur par excellence ce matin. Tu es le docteur par excellence ce matin. Tu es capable d'apporter les solutions ce matin. Ce que les médecins ne voient pas, mais tu vois. Ce que les médecins ne comprennent pas, mais tu comprends. Quand nous le qu'on a fait mal au marché, la caille docteur pas qu'à comprendre ni. Les scanner, yo pas voyant rien. Yo scanner en haut, yo pas voyant rien. Yo scanner en bas, yo pas voyant rien. Mais Jésus gagne solution. Jésus gagne remède là. Jésus gagne pilule là ce matin. Alors mets ta main où tu penses que la douleur est en train d'agir. Et tu dis à la douleur, mon Dieu est plus grand. Et mon Dieu va agir. Parlez pour nous matin, Papa. Dis un mot pour nous matin, cher Seigneur. Nous savons qu'il y en a qui sont en détresse ce matin. Parlez pour eux, cher Seigneur. Fais revivre la flamme qu'ils avaient dans le passé. Pour qu'ils puissent reprendre force, pour qu'ils reprendre énergie, pour qu'ils puissent reprendre amour, pour qu'ils retourner vers le premier amour qui est le Jésus des Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh oui, cher Papa. Élève dans leur cœur un cœur de joie, un cœur d'amour, un cœur d'espérance ce matin. Comme nous l'avons dit, espère en l'Éternel. Oui, nous fortifiez-nous. Nous fortifiez-nous matin. Fortifiez-nous matin. Seigneur, il y a un monde qui n'en sent là qui sentit que lui pas capable encore et que lui pas voulait continuer. Matin, Seigneur, a fortifié. Seigneur, a fortifié au matin. Seigneur, a porté fortification pour au matin. Et que tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Parce que notre Dieu ne nous laisse jamais. Il ne nous laisse jamais. Il ne nous laisse jamais. Même quand on voit noir, il est là. Il est là comme il était là pour Élie. Il est là. Alléluia. Comme il était là pour tout le monde, il est là. Il est là encore. Dans cette salle, il est là. Et son Saint-Esprit est là. Thank you.
Applaudissez le Seigneur ce matin. Applaudissez le Seigneur ce matin. Il nous a touchés ce matin. Alléluia. Alléluia. On nous dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons faire une lecture pour les offrandes. Cette lecture va être faite par la sœur Junie. Je vous prie de vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Notre lecture se trouve dans le livre de 1 Chronique 29, versets 1 à 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'airain épuré pour en revertir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Prions Dieu. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur Dieu que depuis ce matin, tu nous as permis de passer du temps dans ta présence, de t'adorer. Viens le temps Seigneur Dieu de t'adorer avec nos offrandes. Nous te demandons de bénir chaque personne qui va participer ce matin. Nous te demandons Seigneur Dieu de les couvrir, de les bénir. Ceux qui n'en ont pas, nous te demandons Seigneur Dieu de leur donner les moyens Seigneur Dieu pour aller en chercher. Comme tu dis dans Malachie 3 verset 10, apporter qu'est-ce qu'on a, nos offrandes, nos dîmes vers toi et tu ouvriras les cieux et tu nous donneras de la bénédiction en abondance. Seigneur Dieu, nous voici devant toi aujourd'hui. Nous te remettons, Seigneur Dieu, les projets de l'Église. Seigneur Dieu, tu les connais et tous ces besoins financiers. Nous te demandons de nous protéger, de nous bénir. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui règne. Amen. Alors, c'est le temps de vous préparer pour la collecte des offrandes et des dîmes. Il y a des enveloppes qui sont disponibles dans la salle. Si vous n'avez pas une enveloppe, il y a les membres de protocole qui sont là pour en prendre. Et nous sommes contents de voir que vous voulez vraiment participer aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme vous le savez, nous avons de grands projets devant le Seigneur. Et ces projets-là ne se réalisent pas par seulement notre présence. Il faut vraiment avoir des sous pour les réaliser. Et nous remercions aussi tous ceux que le Seigneur bénit pour ce moment, pour que Dieu puisse continuer à faire le travail en vous, pour que vous puissiez venir apporter dans son temple ce qui est nécessaire. Est-ce que nous voulons adorer Dieu? Est-ce que nous voulons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait déjà? Alléluia! Nous allons louer le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait pour nous, avec ses chants joyeux et une nouvelle mémoire. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Toute fado péché sous l'île déposée. Parce que bon Dieu nous travaille là. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul. Sous l'île déposée, parce que mon Dieu nous travaille la nuit. C'est un chant joyeux, une nouvelle gloire. Amen. N'a point l'autre qu'on lit dans le monde entier. Moi, j'aime chanter.
pour camper, oui. Parce que le bagage, mon Dieu, fait pour vous, pas chanter. C'est bon. Qui est capable de délivrer? Tu ne peux pas chanter à soi. Tu dois te mettre debout pour pouvoir dire sur l'île déposée. Parce que mon Dieu, nous, c'est un chant joyeux. Proclamer. J'espère que vous avez passé un bon temps dans l'adoration et la louange. Nous allons continuer avec le service de la Sainte Cène. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Content de vous retrouver. Ce matin, on pensait que l'hiver était terminé. Ben, il est de retour pour de bon, semble-t-il. Hein? On est au Québec, il ne faut jamais penser c'est fini. Hein? Il ne faut jamais penser c'est fini, on est au Québec. Amen.
Avant de participer dans cette communion, nous voulons saluer les amis qui sont avec nous ce matin, qui adorent Dieu avec nous pour la énième fois ou bien pour la première fois. C'est pour nous un plaisir, pour nous recevoir la Kainou. Et c'est aussi Yon qui baptisait déjà et puis qui remplit les conditions avec l'Église ou nous inviter ou capable en Sainte-Seine avec nous. Et si vous remplissez les conditions, nous gagnons deux fiches qui remplissent. Nous voulons saluer les amis, ça y est. Frère Jackson, puis Prérius, ça va bien, Frère Jackson? Ça va bien? Frère Jackson, invité par la sœur Hélène, qui est invité. Nous sommes contents au matin, nous avons apprécié la présence. Ici, on nous fait cadeau, toutes les chaises, nous avons ici. On nous fait cadeau, chaises, ou chita, inscrit non sur lit. Et l'on sentit nécessité pour ta. Répondant à notre invitation de Sœur Hélène, nous avons place ici pour adorer le Seigneur. Soyez bénis. Nous apprécions ça. Nous avons la Sœur Roselyne qui a adoré avec nous matin. Ça va bien? Elle n'a pas dit nous qui est-ce qui est invité. Elle. Ok. On ferait qu'on visite. Bon adresse pour venir visiter. Amen. Nous comptons au matin. Nous apprécions la présence de Sœur Roselyne. Et il faut qu'il y ait deux chaises là, oui, Sœur Roselyne. Prends une chaise là pour inscrire nous sur lui. Et puis, qu'on ait une place ici pour adorer le Seigneur avec nous. De jour en jour. Amen. Et nous connaissons, nous allons rentrer dans le week-end d'action des grâces d'église. Donc, et comme nous toujours dit, ce n'est pas une activité qu'a faite avec chaise, c'est une activité qu'a faite avec vous-même. Nous pas inviter l'autre église. L'autre église capable, ouais. Et publicité a passé sur les médias et sur les réseaux sociaux. Il y a capable de quelques grands monde qui viennent. Mais cette activité a fait avec vous. Est-ce que vous croyez ça? Ça veut dire vendredi soir, à partir de 7 heures, on a commencé ici. Hein? Samedi soir, on a pu ici. Hein? Et dimanche matin, on a pu ici hein? Pour nous capables de clôturer. En ce sens, écoutez bien, ça me dit là. En ce sens, demain soir, qui c'est lundi, Zoom l'église à la pauvrie de 8h à 9h pour 60 minutes d'intercession pour fin de semaine. Ça. Mardi soir, on a une prière normale. Mercredi soir, Zoom n'a pauvrie encore de 8h à 9h pour 60 minutes d'intercession. Jeudi soir, Zoom n'a pauvrie encore de 8h à 9h pour 60 minutes d'intercession. Parce que autant des biens. Ma pauvre Zoom non depuis dans 7h30, 7h45 pour me bailler temps pour gagner rentrer sous Zoom non. On commencé à prier à 8h pile pour 9h, 60 minutes d'intersection demain soir, mercredi soir, jeudi soir. Donc mardi n'a bien prier normal, j'en ai habitué gagner le mardi soir, mais trois jours ça au lundi, mercredi et jeudi, 60 minutes d'intercession. Non pas parler, n'a prier pour les prédicateurs, pour les dirigeants de service, pour tout le monde qui est impliqué dans le service. Pour que cet esprit bon Dieu capable de couvrir pour une grande fin de semaine bénie. Est-ce que l'Église attendait? Amen. Donc, moi, je dis, je vais couvrir depuis 7h45 pour me bailler temps pour rentrer. Pour que je ne vienne rentrer à 8h25, 8h45, 8h05, 8h50. Je vais avoir temps pour rentrer depuis à 7h45 la plouvrie pour rentrer 8h pile, 60 minutes d'intercession. On a passé lundi, mercredi, jeudi pour nous capables, eh bien, mettre fin de semaine ça dans la main de l'Éternel. Amen. 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 Et puis, à soya, après-midi, je pense qu'il y a répétition pour les hommes, pour les dames aussi. Dans l'heure habituelle, il y a une répétition. Et donc, comme on t'a dit, on a fait sur les ondes de Radio Lumière samedi soir et dimanche matin. Donc, soyez là avec nous pour capable remplir ce service avec présence sous et voix aussi pour capable eh bien bail service ça et eh bien y ont ampleur. Très bien. À Soya, gagné une réunion de jeunesse à Soya. Toutes jeunes qui connaissent ces jeunes l'église, à qui l'heure? À 18h30. À 18h30, toutes jeunes. De vous connaissez jeunes l'église, s'il vous plaît, on invite dans la réunion. Ça. Soit écoutez sur les réseaux sociaux, ou bien on la caille, ou bien on en travaille, ou bien peut-être on fait sieste quelque part. Eh bien, de vous, ces jeunes l'église, on invite non. Et puis, réunion ça, soit les adolescents aussi, on invite les parents, mais pour nous, les adolescents aussi, on doit prendre part dans réunion ça, ici, hein? Ici, on l'a fait à soi. Donc,
On va s'arranger. Dans les gens qui ont dit qu'il y a place pour quatre groupes, pour ado avec la jeunesse, c'est ensemble. Il n'y a pas des réunions séparées. Hein? C'est dans les réunions à jeunesse qu'il y a ado à participer. Ce n'est pas des réunions séparées. Là, donc, n'a pas arrangé, nous, jusqu'à ce que bon Dieu mène nos côtés, la peine nous. Amen. Donc, si c'est un monde qui a plein, il y a une place, qui a fait. Donc, on a fait action de grâce fin de semaine. Action de grâce, je voulais dire l'argent. Parce que tu parles même parler de cob. Hein? Parce que tu parles même parler de cob. Bah, ti moun yo l'argent pour nous. Ti moun yo a bien enveloppe pa yo. Adolescent a bien enveloppe pa yo. La jeunesse a bien enveloppe pa yo. Dame a bien enveloppe pa yo. Les hommes a bien enveloppe pa yo. Les leaders de l'église, les moniteurs, les ouvriers de l'église a bien enveloppe pa yo. Et yo chaque apoto franyo non tan séparé. Eh, yo pas dit amen. Pas de problème. Pas de problème à ça. Chaque moun a groupe moun se apoto franyo non tan séparé. Ma brûlé ouvrier l'église d'avant, ma brûlé leader yo, ma brûlé timon yo, pour yo poter offrande yo. Pas gen moun qui va pour offrande dans mon koto chita, ou ap vin déposer le devant pendant fête action de grâce. Même si pas dit amen, m'habitue à ça. Pas gen problème. Hein? Pas gen problème. Action de grâce dit poter, eh bien, l'argent, la caille, bon Dieu. Et bon Dieu béni, on li bon job, li bon travail, eh bien, on besoin béni travail, bon Dieu. Amen. 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 Vous connaissez quelqu'un qui est dans la communauté ça, qui n'a pas jamais offert ici? Est-ce que vous connaissez ça? Quelqu'un qui est dans la communauté qui n'a pas jamais offert ici? Bon, c'est fin d'action de grâce, ça, c'est l'occasion pour dire bon. Je n'ai pas besoin de dire, je ne vais pas le dire, je fais colère. Est-ce qu'il a fait colère pour le bail? Il n'a pas besoin de faire colère pour le bail. Mais il a besoin de bail avec tout cœur. Ah oui, font effort. Font effort pendant la fin de semaine ça. Et bon Dieu a béni, amen. C'était annonce nous que nous te gain pour nous baou, si gain d'autres n'a pas ou après et à la gloire de Dieu. On est nous fait Sainte Cène ici en chaque deuxième dimanche, chaque premier et deuxième dimanche. C'est une façon pour accommoder si là ou qui travaillent fin de semaine sur deux, puis capable gain possibilité participer aussi dans Sainte Cène. M'a demandé dans minute ça ou même qui disposé à prendre Sainte Cène, m'a demandé fermer les yeux et puis baisser tête ou pour gagner un temps, pour capable parler avec le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé coup au
humide, ton agonie, oh yes, pour me rappeler ton comme tri, conduis-moi vers la croix, pour me rappeler, je ne sais pas ni amen, pour me rappeler ton agonie, amen, pour me rappeler ton commentaire, conduis-moi vers la Seigneur Dieu puissant, roi des rois, toi qui contrôles les temps et les circonstances, toi qui parles, la chose arrive. Nous bénissons ton nom ce midi. Nous proclamons ton nom car tu es le Dieu vrai, le Dieu véritable. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour ce temps d'adoration dans ta présence. Seigneur, à l'instant, nous sommes réunis autour de cette table, la table de la communion avec toi. Nous te demandons, ô Dieu Père Saint, de bénir ces espèces qui sont préparées de main d'homme. Oui, Seigneur Dieu, bénis-les, Seigneur, et permets à ce que tes enfants puissent, ô Dieu, en manger en conséquence, tes enfants puissent en consommer en conséquence, Seigneur. Nous te demandons, ô Dieu, de bénir les cœurs qui sont ici, qui vont y participer, et permets à ce que, ô Dieu, qu'ils puissent approcher, Seigneur, autour de cette table avec, ô Dieu, conviction, avec certitude et avec adoration, Seigneur. Bénis-nous ce matin et remplis-nous de ta grâce. Visite-nous, Seigneur, et fais-nous sentir ta présence. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix, pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la thank you.
sang qui chait passé l'or, qui ou était dans la mort. Pas gain l'autre source encore. Amen. Seigneur, merci pour le corps de ton fils Jésus qui a été immolé à Golgotha. Immolé pour nous donner la vie. Immolé pour nous sauver. Immolé pour nous racheter de la malédiction de la loi. Immolé afin que nos noms puissent être inscrits dans le livre de vie. Merci Père. Merci pour cette dette que tu as payée à notre place. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom. Dans la nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris le pain, il l'a rompu. Il a rendu grâce. Il a dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Merci Seigneur pour le sang de ton fils Jésus qui a été versé à Golgotha. Versé pour nous pardonner nos péchés. Versé pour effacer nos transgressions. Oui Seigneur, merci encore pour ce don précieux. Merci pour cet amour incommensurable. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons ensemble. Car, dit Jésus, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort, ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Papa, merci encore pour tes enfants qui ont pu prendre place autour de cette table. Merci. Te demandons de continuer à bénir ton Église, de continuer à fortifier ton Église, à équiper ton Église. Et a rempli ton Église par ta présence. Merci pour le suite, pour la suite du reste de ces services. Merci pour ce qui a été déjà fait. Merci pour ce qui va se faire encore, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Sans qui chère. Père Dieu puissant, nous sommes ici à cette place, en ce lieu, en ce temps précis, devant ton trône,
pour présenter ton église devant toi. L'église Impact, dont tu connais mieux que nous. Te demandons, Père Saint, ô Dieu, de prendre le contrôle de ton église. Prendre le contrôle de chaque groupe, chaque entité de cette communauté. Et permet à ce que chaque entité puisse remplir leur mandat, leur responsabilité, leur mission, selon ta sainte volonté. Guéris ceux qui ont besoin de la guérison. Bénis ceux qui ont soif de bénédiction. Fortifie ceux qui sont découragés. Et remplis ceux qui sont vides de ta présence, Seigneur. Père, ce matin, nous levons devant toi notre nation qui a besoin d'une grâce spéciale, qui a besoin d'une touche spéciale. Étends ta main sur Haïti et bénis, délivre, libère, restaure, car tu es le Dieu capable. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu, pour la libération de notre nation. Nous comptons sur toi, sur la libération de notre nation. Seigneur, étends ta main sur le Canada, sur le Québec, ce pays qui nous accueille. Donne la grâce nécessaire à cette nation, à cette province. Père, encore de grâce, étends ta main sur Dieu, le Gaza, Seigneur Dieu, sur la bande de Gaza, sur Israël, sur Dieu, la Russie, Dieu, l'Ukraine, là où la guerre barre son plein. Que ta main puisse, ô Dieu, bénir, puisse toucher ces nations et pour que la paix puisse régner, puisse établir, Seigneur Dieu, pour le bien de tes enfants. Seigneur, bénis-nous ce matin, remplis ton église, prends le contrôle de tout. Tu connais nos projets, tu connais, ô Dieu, la vie de chacun de nous. Nos femmes enceintes sont devant toi, garde-les, protège-les. Nos frères, nos sœurs qui attendent une décision d'émigration sont devant toi, Seigneur. Protège-les, Seigneur, et décide pour eux, Seigneur, selon ton plan, selon ta sainte volonté. Seigneur, agis pour nous et bénis-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous rappelons pour la liste des baptêmes, des candidats au baptême qui est affichée sous le babillard, donc, ou même qui peut baptiser, donc, fait fort pour qu'en décision ça soit capable d'écrire dans ou non liste ça pour nous capables de connaître comment pour nous planifier les différentes rencontres de préparation qu'a fait pour eh bien notre conférence annuelle en juillet prochain pour baptême qui doit gagner là-dedans. Amen. Ce matin encore de retour avec notre sujet annuel, que la majorité des gens ici connaissent, mais que d'autres ne connaissent pas. C'est quoi le thème annuel de l'Église? Une visitation divine, une année pour une visitation divine. Et le titre de ma prédication ce matin a quelque chose de mystérieux là-dedans. Et quand j'ai donné le titre avec l'équipe de médias, ils m'ont posé la question, c'est quoi ça, pasteur? J'ai dit, c'est ça le mystère qui est là-dedans. On va parler du pourquoi. Toute la semaine d'un jour passé, nous parlons de quand. C'est pas vrai? Nous avons déjà parlé à qui Dieu rend visite, pour. Eh bien, quand Dieu rend visite, etc. Ce matin, nous allons rentrer dans le pourquoi. Mais le pourquoi a une autre expression. Pourquoi Dieu nous donne-t-il? Hein? Allez, répétez le mot. Un pacade. Pourquoi Dieu nous donne-t-il un pacade? C'est ce mot-là qui est un peu curieux, qui a soulevé la curiosité. Mais nous y arriverons tout à l'heure et vous allez voir pourquoi ce mot est rentré dans le thème. Je veux que ce mot traduise le slogan de l'Église Impact en cette année 2024. On va voir. Et il y a, laissez vos bibles ouvertes, on va lire quelques textes, mais de temps en temps, Il y a deux résultats possibles à toute visite dans nos vies. Quand il y a une visite dans nos vies, il y a deux résultats possibles. Est-ce que vous entendez? Il y a deux résultats possibles. La bénédiction ou? Allô? Est-ce que l'Église est là? Je dis, quand il y a une visite dans nos vies, il y a deux résultats possibles. La bénédiction ou? Lorsque la famille nous rend visite,
lorsque des amis nous rendent visite pendant les vacances, vous ressentez la malédiction ou bien la bénédiction? La bénédiction, amen. Bénédiction d'avoir été entouré de vos proches. Bénédiction de retrouver les parents, les amis que vous n'avez pas vus depuis des années. Donc, c'est la bénédiction. Donc, lorsque vous avez un tuyau qui est cassé dans votre maison, et puis l'eau est un peu partout, et puis le plombier est arrivé, cette visite-là, c'est de la malédiction ou de la bénédiction? Allô? Les gens ont peur de répondre parce qu'ils vont payer. Parce qu'ils vont payer, ils peuvent pas, ils veulent pas dire c'est de la bénédiction. Mais c'est de la bénédiction parce que vous étiez dans l'eau, vous étiez dans l'inondation. Lorsque le plombier est arrivé, vous vous êtes rassuré que ça va arrêter. C'est pas vrai? Même si vous allez payer $75 à l'heure, c'est pas grave. Mais quand même, c'est un moment de délivrance. Lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital, et puis vous passez 3 heures dans l'attente, et puis après 3 heures, le médecin est arrivé auprès de toi. Pour que ce soit 24 heures, le médecin est arrivé après 24 heures. C'est quoi pour vous? Alors, il y a quelqu'un qui dit soulagement. Il ne veut pas dire c'est la bénédiction, mais c'est soulagement. OK. OK, pas de problème, c'est un soulagement. Mais lorsque le voleur nous rend visite, lorsque le voleur nous rend visite, il rentre dans la maison, il prend les objets que nous avons, eh bien, c'est de la malédiction. Donc, les résultats de la visite, ça dépend du visiteur. Vous êtes d'accord avec moi? Les résultats de la visite, ça dépend du visiteur. Et puis, ça dépend aussi du but de la visite du visiteur. Pourquoi le visiteur est là? La Bible dit clairement que nous avons attendu Dieu, nous devons avoir la visite de Dieu. La Bible enseigne la visite. Mais vous savez, la Bible enseigne un concept très clair là-dessus pour la visite. Le mot hébreu qui traduit par visite dans l'Ancien Testament, c'est ce mot que vous avez vu là. C'est quoi le mot? Pakad. Donc, quand je pose la question qui dit pourquoi Dieu nous rend-il un pacade, pourquoi Dieu nous rend-il une vie, une visite? Vous êtes avec moi? Maintenant, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de Dieu, réclame ton pacade de la part de Dieu. Vous êtes avec moi? À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, je dis réclame ton. Après, on peut répéter-le. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, réclame ton. Ah ben l'église en peut répéter-le. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, réclame ton. OK. Mais rappelez-vous, je viens de dire tout à l'heure, la visite peut amener la malédiction. La visite peut amener la bénédiction. Donc, en d'autres termes, un pacade peut découvrir, peut déboucher sur la bénédiction. Et un pacade peut déboucher aussi sur la malédiction. Parce que bon Dieu qu'on châtie. C'est pas vrai? Bon Dieu qu'on châtie. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à penser à la visite parce qu'ils soutiennent que Dieu a créé l'univers, donc Dieu n'a pas besoin encore d'interagir dans la vie des gens. Il y a un monde qui est trop occupé, puisqu'il est trop occupé, visite bon Dieu, pas intéressé. Il n'y a pas tellement besoin de visite bon Dieu, parce qu'il est trop occupé. Il y a trop de bagailles pour faire, il n'y a pas besoin de visite bon Dieu. Il y a une carrière pour préparer, il y a une échelle pour prendre, il y a une trop liste de choses pour accomplir. Donc, ce n'est pas visite bon Dieu qui t'a intéressé, parce qu'il y a pile d'autres bagailles pour faire. Gagner qui gagne, gros plan pour la vie, yo, gros projet sur la vie, ce n'est pas visite bon Dieu, yo, t'as qu'à intéresser. Même vindou en bagaille. À chaque fois que vous utilisez le mot pacade dans la Bible, hein, vous faites allusion à un moment que bon Dieu fait irruption dans la vie d'un peuple ou bien dans la vie d'un individu. Pour le capable soit béni, peuple ça,
ou individu ça, ou bien châtier peuple ça, ou individu pas. Ma reprendre ça. À chaque fois que Bible utilisait le mot pakad dans l'Ancien Testament, je parle dans l'Ancien Testament parce que c'est un mot hébreu. À chaque fois Bible utilisait, il fait référence à bon Dieu qui fait irruption. Regardez qui mot utilisé, oui. Il dit bon Dieu fait irruption dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une personne. Bon Dieu fait irruption dans la ville, soit pour le bénir ou bien pour le chat. Châtier. Ce matin, que vous attendez visite bon Dieu ou non? Que vous voulez faire expérience visite bon Dieu ou non? Vindon yon bagay, yon pakad de la part de l'Éternel, li capable de déboucher sur trois choses. Li capable de déboucher sur trois choses. Je parle des malédictions et bénédictions. Là, me dit trois choses. N'ayons pas cadre capable de déboucher sur trois choses. La première chose, nous allons lire le texte, nous commençons à lire maintenant, avec moi dans Job chapitre 7, versets 17 à 18. Job chapitre 7, versets 17 à 18. Merci parce qu'il y a écran, sous écran déjà. Intéressant. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? C'est Job qui parle. Pour que tu daignes prendre garde à lui. Pour que tu le visites. Visite ici, c'est le pakad en hébreu. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu le prouves à tous les instants. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le prouves à tous les instants. En d'autres termes, Dieu, ici, c'est Job qui pose la question à Dieu. C'est Job qui parle avec Dieu. Job dit, Seigneur, qui ça l'homme y est pour qu'on prenne toute attention ça avec elle? Pour qu'on balle un pacade tous les matins? Qui ça l'homme y est pour balle un pacade tous les matins? Qui ça l'homme y est pour éprouver? En d'autres termes ici, le mot éprouver ici, c'est le mot tester. Pour tester chaque matin. Donc, Matthieu 22, on pas cadre dans la vie, ou il est capable, il a raison pour bon Dieu tester au matin. Allô? Il n'a pas cadre, il est capable, il a raison pour bon Dieu tester au matin. Le Seigneur a testé Job. Et Dieu nous visite, Dieu nous donne un pacade afin que nous puissions passer une épreuve. Et Dieu s'attend à ce que nous nous réussissions face à cette épreuve. Chaque fois que bon Dieu intervient pour être capable de tester, chaque fois que bon Dieu intervient pour le tester, il attend à ce que moi-même avant nous réussissions cela. Bon Dieu ne pas attendre que nous échouions cela. Bon Dieu, pas attendre que nous prenions échec dans notre test là. Il souhaitait que nous réussissions le test. La Bible dit clairement que Dieu nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie pieuse. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour mener ces combats. Donc, le test que nous allons passer, le test que nous allons passer avec le pacat de Dieu dans nos vies, Dieu s'attend à ce que vous et moi, nous réussissons ce test. Job était riche. Job était en bonne santé. Job était sage. Il était riche. Il était en bonne santé. Il était sage. Job avait tout ce qu'une personne pouvait avoir envie d'avoir. Tout ce qu'une personne pouvait désirer. Job avait tout ça. Mais Satan dit à Dieu, donne-moi simplement une chance pour le tester. Et ouais, si monsieur ça, c'est le pape maudit. La Bible dit, Dieu a donc permis à Satan de tester Job. La réponse de Job fut immédiate. La Bible dit, Job fut tombé sur sa face
et adorait Dieu. En d'autres termes, le fait que lors de ces persécutions, le fait que lors de ces maladies, le fait que lorsque Job a tout perdu, Job n'a pas, eh bien, révolté contre Dieu, mais il se mit à genoux, il adore Dieu. Est-ce qu'il a échoué ou bien il a réussi? Allô? Est-ce qu'il a échoué ou bien il a réussi? Il a réussi. Job dit, c'est tout un hymne de soutenant votre maman. C'est tout un hymne pour m'tourner. Donc, béni soit le nom de Dieu. En d'autres termes, Job dit, écoutez, les richesses peuvent partir. Les biens peuvent disparaître. L'argent peut partir. Tout peut disparaître. Mais, c'est tout un hymne deviné. Il ne va deviner rien. C'est tout un hymne bralé que non, bon Dieu, béni. Bon Dieu fait irruption, bon Dieu autorise une irruption dans la vie de Job pour capable, eh bien, tester la foi de Job, pour capable purifier la foi de Job. Parfois, notre foi est impure. Notre foi n'est pas tellement purifiée, parce que notre foi est mêlée de doutes, parfois. Parfois, notre foi est mêlée, eh bien, d'inquiétude. Foi nous, qui nous guérons, bon Dieu, libellé avec inquiétude, limité avec doute. Nous croyons bagaille, mais nous pas fin croyons net. Nous croyons bagaille, mais nous doutons de lui. Nous croyons bagaille, mais nous disons, est-ce que c'est vrai? Ça me croit à livrer. Nous croyons en délivrance, mais nous pas fin qu'à saisir délivrance. Nous croyons en victoire, mais nous doutons de victoire. Nous croyons en guérison, mais nous doutons de guérison. Nous croyons que bon Dieu a libéré, mais nous doutons de liberté, ça. Foi nous, l'ontigeant pas pur, pas purifié. Le Seigneur va le permettre de nous passer à travers cette situation de test pour le capable de purifier foi nous. Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 6, il dit nos épreuves. Nous devons nous réjouir dans nos épreuves. Pour qui ça? Parce que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or qui est périssable, même éprouvé par le feu, soit trouvé comme capable de déboucher sous la louange, la gloire, l'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Les fois nous éprouvés, nous avons besoin de réjouir, pour qui ça? Parce que si nous passons cette ça, la déboucher sous l'honneur, sous la gloire et la révélation de Jésus. J'en parlais plusieurs fois du métal ici, de l'or ici, qui doit passer au creuset, chauffé à des températures très élevées, puis il est capable de retirer impureté que sous lit, puis il est capable de retirer saleté que sous lit, et les fines saletés au fin brûlé, et puis il passe son grattoir sous l'eau, pour il retirer impureté que brûlé, et puis l'eau vient paraître brillant, l'eau vient paraître pure, parce qu'elle sautine en creuset. Lorsque Dieu fait une éruption dans nos vies pour nous rendre visite, lorsque Dieu fait une éruption dans nos vies, il nous donne un pacade. C'est pour nous tester. C'est comme si Dieu va nous mettre dans le creuset. Dieu va nous laisser rentrer dans le creuset. Dans le creuset, là où nous allons rentrer, eh bien, il y a des choses qui doivent disparaître. L'inquiétude doit partir. Le doute doit partir. L'incertitude doit partir. Tout ça qui dérange, foi nous, dans l'engagement, dans la conviction avec mon Dieu, il doit partir, là, nous, dans le creuset, ça. Il y a des problèmes où la donne, leur sautit la donne, nous venons plus faible, dans mon Dieu. Il y a des maladies au passé, leur sortir dans la maladie, ça, ou comprendre bon Dieu, l'autre façon. Il y a des situations où sortir là-dedans, leur sortir là-dedans, pendant là-dedans, où sont tout troublés, où sont tout bouleversés, mais leur sortir là-dedans, et pouvoir victorieux des situations, ça, où vient connaître qui s'agit d'un bon, Dieu. Et c'est ça, Job va le découvrir à la fin de son épreuve. Job va le dire dans Job 42, Job va le dire, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Il y a un peu de monde qui l'église aujourd'hui. Ses oreilles ont entendu parler de mon Dieu, mais on ne connaît pas mon Dieu. C'est dans la bouche de monde qui ont entendu parler de mon Dieu, mais on ne peut pas expérimenter mon Dieu. C'est dans la bouche de monde qui ont entendu qui ça mon Dieu qu'a fait, mais on ne peut pas voir ça mon Dieu qu'a fait. Les Job finissent passer dans la situation. Non, Job dit, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi. Job 42, verset 5. Il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il y a un côté sauté, yo, ouais bon,
ouais mon Dieu. Gen maladie ou passé, Dieu ouais mon Dieu. Gen problème ou sorti la donne, Dieu ouais mon Dieu. Gen situation sorti la donne, Dieu ouais mon Dieu. En d'autres termes, bon Dieu bon yon pacade dans maladie ou là pour capable faut comprendre qui est lié. Bon Dieu bon yon pacade dans problème ou pour qu'a faut sorti plus fort dans relation avec vous. Bon Dieu bon yon pacade dans situation difficile ou pour capable sorti victoire. Il y a des défis qui sont ennemis, il y a des défis qui sont adversaires, il y a des contre, il y a des situations adversaires, méthodes. Mon Dieu, qui t'a fait face avec des adversaires, mon Dieu, bon, y'a un pacade pour capable de quelle position camper, qui côté au camper. Mon Dieu, fait irruption dans la vie pour capable de tester. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit gagner. Mauvais temps capable rivé. Hein, il y a mauvais temps capable rivé. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 5 dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On va aller probablement dans les versets 8 9. Ouais, verset 11. Après verset 11. Verset 11, on dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serons-vous lorsqu'on vous persécutera. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Regardez bien le texte. Le texte dit, lorsqu'on vous outragera. Le texte n'a pas dit « Heureux serez-vous si on vous outragera. » Il n'a pas dit « si ». Vous êtes avec moi? Le texte n'a pas dit « Heureux serez-vous si on vous outragera. » Si on met « si », ça veut dire son mari qui arrive et le capa arrive. Mais le texte dit « lorsqu'on », ça veut dire « veuvez pas ». Quand on l'est qu'à priver, ça fait quand? Quand on l'est qu'à priver, à persécuter quand? Quand même, qu'on l'est qu'à privé à outrager quand même, qu'on l'est qu'à privé à bail faux témoignage sous quand même, qu'on l'est qu'à privé à tirer d'eau quand même, qu'on l'est qu'à privé à l'éliminer quand même. Mais lorsque bon Dieu qui t'ont fait face à la situation, ça a, pendant une situation, la boyon pas cadre. Pour qu'à fort, ouais, qui capacité le gagner pour faire sortir vivant. Et lorsqu'on sortit dans la situation, ça a vivant, on prend bon Dieu dans l'autre dimension. Dans l'autre dimension. Parce que vous avez côté bon Dieu de sortir avant, côté le fourré, mais prendre et côté le mettre au dehors. Puisque bagay sa ou gen pour arriver, la chose la plus sage à faire entre moi-même, entre vous-même, c'est de se préparer. Comment on peut préparer pour ça? C'est par la prière, par l'enseignement de la parole, le type de la parole, par le jeûne, c'est comme ça nous avons préparé. Non? Parce que les bagages sont arrivés, ou il y a une possibilité. Soit vous êtes entraîné déjà pour ça, ou bien c'est les rives où vous tenter, vous voyez comment vous le sortir. Mais les gens qui sont habitués à prier, les gens qui sont habitués à prendre temps dans la parole, c'est les gens qui sont entraînés. Amen. Parce que la parole qui ça la Bible dit, la parole c'est épée. Ben vrai? La parole, c'est épée. L'on habitué nourri de la parole, ça veut dire qu'on comment pour moyen épée. Mais l'on pas habitué nourri de la parole, mais épée maintenant, on ne peut pas comment pour servir avec elle. Donc peut-être c'est pendant l'épreuve où on va l'entraîner. Mais le monde qui est habitué nourri, il y a entraîné des. Il entraîné déjà. Vous besoin préparer parce que il n'y a pas cadre qui vient dans la vie pour être capable de tester. Mais il n'y a pas cadre qui vient dans la vie aussi pour être capable de châtier. Dans le cas Job, c'était pour tester. Et il réussit le test là. Il n'y a pas qu'être capable de vivre dans la vie aussi pour être capable de châtier. On a là avec maintenant Exode 20. Exode 20. Exode 20, on apprend le verset 5. Exode 20, le verset 5. Ça arrivait parfois, bon Dieu, il français appelle avec nous pour lui dire non, pas fait ça, pas fait ça, pas fait ça. Mais au lieu de nous tendre, nous avons pour nous lever devant nous. Dans le visage, bon Dieu, pour nous goûter avec.
C'est comme si bon temps que bon Dieu était bon nous pour nous repentir, nous pas repentir. Bon temps que bon Dieu bon nous pour nous changer voie, nous pas changer. Et puis bon Dieu dit écoutez moi le balion pas cadre pour me capable châtier. Tu ne procéderas point devant elle. On parlait des idoles, l'image taillée, tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Ou est mot punir? Hein? Qui punit, mot puni, c'est pakad en hébreu. Donc, ils ont visite pour punir. Mot puni, quoi, là, il pas signifie visite proprement dit, mais il dit pour, ils ont pakad pour punir. Je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à troisième, quatrième génération de Saokiraïm. Ça, bon Dieu dit là, bon Dieu dit à peuple Israël, si vous pas fabriquez une idole avec un morceau bois, avec un morceau l'or. Si vous fabriquez une idole à partir de une personne, si vous fabriquez une idole, m'a élargi cadre là. Mon Dieu, tu parlé avec eux, son idole, tu fabriqué à partir de un morceau bois, un morceau l'or. Mais si vous fabriquez une idole à partir de une personne, parce que il y a moun qui idolâtre moun. Il y a des gens qui mettent des place bon Dieu dans la vie. Il y a des gens qui mettent des gens dans la position côté c'est bon Dieu lié. Yo sont idoles, mon ça y est. Fabriquer une idole à travers une personne. Sous fabriquer une idole à travers une idéologie. Ou capable une idéologie, c'est idole ou lié. Ou accrocher à elle. Parce qu'il y a des gens qui font changer. Sous fabriquer une idole à partir de une voiture. Voiture ou là capable, c'est idole ou lié. Ou pas capable de fonctionner sans lui. Eh bien, ou fabriquer une idole à partir de carrière, carrière capable d'idole, parce que c'est lui au focus, c'est ça seulement qui intéresse, c'est carrière qui intéresse, parce que l'autre bagaille qu'on voit encore, si vous touillez moun pour atteindre carrière, ça, si vous éliminez moun pour atteindre bien, vous faites parce que c'est lui qui idole. Si vous fabriquez une idole à partir d'une collection, il y a moun qui a une collection, collection vêtements, collection souliers, collection tennis, collection Intel, cité collection. Mon avis de terre, c'est addict des situations, ça. Donc, son idolâtrie que lié, leur y a une addict dans situation. Sous fabrique une idole. Peu importe forme ni. Peu importe forme ni prend. Le Seigneur dit, ma boyon pas. Allez avec moi. Le Seigneur dit, ma boyon pas. Mon pas cadre. Ma boyon, pas cadre. Sous fabriquer une idole. Peu importe forme ni prend. Peu importe style ni prend. Peu importe bien allure que l'idolâtrie a pris en vie. Je dis à quelqu'un, mon idole, c'est vêtement. Il y a toutes sortes d'idolâtrie dans l'église, je dis. Toutes sortes d'idolâtrie dans l'église, je dis. Nous exerçons l'idolâtrie dans le langage, nous ne pouvons pas rendre nos comptes. M'exhorter la prouille, mais plusieurs fois ici, elle me dit ça plusieurs fois ici, sous cher. Fais attention, l'on a pu utiliser le mot adorer comme on a pu utiliser. Parce que la donne, parfois, on fait idolâtrie la donne. Non, utiliser le mot adorer, parfois, on fait idolâtrie la donne. M'exhorter plusieurs fois ici à sous ça. J'adore un tel. J'adore un tel. Hein? Il y a un monde qui dit ça pour plaisanterie, pour niaiserie. J'adore un tel. Nous disons, verbe adorer, pas doit utiliser pour d'autres choses que pour Dieu et uniquement Dieu. Automatiquement, dit, j'adore un tel, dans l'idolâtrie. Parce que mot adorer, c'est pour mon Dieu seulement, il doit appliquer. J'adore pasteur un tel, dans l'idolâtrie. J'adore chanteur un tel, j'adore artiste un tel, dans l'idolâtrie. Il y a un monde qui fait le même dans manger, oui. J'adore cette poutine. J'adore cette poutine. Hein? J'adore cette poutine. Oh, j'adore ce lalo. Oh, yes. C'est bon ce lalo-là. M'adore. J'adore ça. J'adore ça. C'est de l'idolâtrie. Bon Dieu dit à peuple Israël, souffrez ça. Ma boyon. Avant, père dit lui. Ma boyon, pas cadre. Dans Exode chapitre 32, verset 30 à 35. Mon Dieu prouvait qu'il prend très au sérieux la question idolâtrie.
Pendant que Moïse se monta, hein, Moïse a passé son temps avec bon Dieu. Il y a tant de bénédictions, il y a tant de qualités avec bon Dieu. Et puis le peuple là en bas a pratiqué qui ça? Idolâtrie. Moïse fait 40 jours dans la présence de Dieu. Et puis il y aurait les Aaron, il dit Aaron, mettre pression sur Aaron. C'est pas qui terrible, il est leader à prendre pression. C'est pas qui terrible, il est leader à prendre pression. Sous par contre, côté bon Dieu, il est haut. Sous par contre, dit ça, bon Dieu, mando fait. Ou a agi sous pression. Peuple, ou a tombé dans son pas, doit tomber. Aaron prend pression. Peuple a dit Aaron, comment ça se passe? Nèg Dieu, il est Moïse là. Vous voyez comment il est? Nèg Dieu, il est Moïse là. Après Moïse finit, se mettait au dehors, à mes fautes, à bras étendus, passer la mer rouge avec eux. Je dis, Aaron, nèg Dieu, il est Moïse là. Ça fait 40 jours de monter sur montagne là. Nous ne savons pas s'il est vivant toujours, nous ne savons pas s'il mourit toujours. On nous quitte, monsieur, avec bon Dieu là, côté l'aléa. Fais un vaudor pour nous, nous besoin un vaudor, nous besoin de Dieu par nous pour nous adorer. Nous adorer. Et puis là, on dit ça. Peut-être si Aaron t'a demandé au bureau de l'argent, il n'y a pas besoin de l'argent pour nous, non? Mais là, il a besoin de faire vos doigts depuis c'est là où il a été dans le trésor. Il y a tout le monde. Il y a le coffre de foi. Il a pris depuis c'est là où il a été gagné. Il a pris tout, il a rassemblé. Il a dit à vous, mais là, fonds-le à nous. Bon, non, Dieu, bon, non, statue. Fonds-le à nous. Mais si c'est pour l'argent, puis il a fait travail, bon Dieu, il n'y a pas besoin. Mais pour faire statue, pour faire idolâtrie, il y a besoin. Il y a besoin de nous. Ah, on prend une pression. Ah, on fond l'eau, on mette le nom moule. Ils font vaudor, mettez le peuple là. Le peuple là danser. Les Moïse viennent descendre montagne. Hein? Avant Moïse descendre, bon Dieu, il y a un ça. Bon Dieu, mon Dieu, Moïse, descend parce que peuple ou ouais, comment bon Dieu dit Moïse, peuple ou il y a des ordres en bas. Descend. Descend parce que peuple ou non, l'obéit en bas. Bien aimé. Bon Dieu promet le peuple ça pour le taper. Mais non seulement le promet pour le taper dans l'idolâtrie, mais le promet aussi en restauration. Bon Dieu châtie, mais il n'a pas livré, m'a perdu. Le papa tape petit, il n'a pas battu pour le touiller. Mais il battu pour le courir. Pour le courir. Je sais faire m'utiliser le mot châtie ici. Je vais utiliser le mot malédiction. Le papa tape mon petit, il ne peut pas taper pour le détruire, mais il tape pour le corriger. Le bon Dieu châtie Israël, il châtie pour le corriger. Et pendant la corriger, il dit Israël, nous avons une solution. Dieu voit serpent dans le désert, il fait serpent commencer à mordre le peuple là. Et puis ils levent serpent des reins. Ils font serpent des reins. Chaque monde serpent mordre dans le désert. Sous besoin, vive. Levez-vous en l'air. Gardez serpent sous bois. Et puis vous vivez. C'est pour ça, c'était un symbole. Christ qui devait monter la croix pour bailler la vie. Maintenant, peut-être, je ne connais pas quel type d'idolâtrie qu'il y a. C'est carrière qui est idole. C'est vêtements qui est idole. C'est un monde qu'on prend comme idole. Tout ça, monde ça fait, vous voulez faire tout. Tout ça, vous voulez dire tout pour qu'il fasse le plaisir. Mais non, faites attention. Parce que Dieu ne joue pas avec l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, bon diable, bon, pacade pour le capable chat, châtier. Troisième pacade. Dieu nous donne un pacade pour nous bénir. Oui, Dieu nous donne un pacade pour nous bénir. À plusieurs reprises, ça que je ne vais pas rester trop là-dedans parce que j'en ai déjà prêché là-dedans. En Genèse, verset chapitre 21, bon Dieu baille Saraï en pacade. Et pacade, ça a débouché sur Yombé. C'est un bébé. Est-ce qu'on va même? Bon Dieu, baille Saraï avec Abraham. Yon, pacade. Pacade, ça a débouché sur yon bébé. Sur un bébé. Dans Ruth chapitre 1er, Dieu a donné un pacade. Eh bien, avec Ruth, eh bien, associé avec Naomi et puis Boaz. Et pacade, ça a débouché, eh bien, sous la descendance de Jésus. De Jésus-Christ. À plusieurs reprises, Dieu donne ça. Dans Genèse chapitre 50, bon Dieu bral baille descendant Jacob, ils ont pacade de bénédiction. Ma prends texte ça, Genèse chapitre 50 verset 21 verset 22. Ma prends texte ça. Ma prends verset 24 verset 25. Genèse chapitre 50 verset 24 verset 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Donc on connaît comment Joseph est arrivé en Égypte. Dans quelles conditions il est arrivé?
Et les Joseph arrivent en Égypte. Et bien, après un certain temps, papa lui, avec frère lui, vient joindre en Égypte. Et parce qu'il était pensé le mourir, mais il vient découvrir qu'il n'est pas mort. Il s'est gouverné en Égypte. Joseph, pour aller rester un certain temps en Égypte, il est venu dans l'âge pour le mourir. Je vais dire, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera le pacad. Dieu vous visitera le pacad. Et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré à vous donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Verset 25. Il dit, Joseph fit jurer les fils d'Israël et dit, Dieu vous visitera. Dieu vous donnera un pacad. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Peuple, ça, t'es une promesse sous tête, yo, puis allons côté, bon Dieu, te promettre, yo. T'es une promesse sous tête, yo, bon Dieu, à te mener au nom pays, côté l'être à miel à couler. Malgré situation que mené en Égypte, malgré Joseph t'es influent en Égypte, malgré Joseph t'es autorité en Égypte, mais Joseph attend le pacat de Dieu qui vous mène dans la terre pro. Dans la terre promise. Joseph attend le pacat de Dieu pour mener yo dans promesse, mon Dieu, t'es fait là. Promesse, mon Dieu, t'es bail famille là. Joseph dit avec frère yo, j'irai devant, mon Dieu, que l'air, mon Dieu, abonne nous pacat là pour mener nous dans la terre promise. Nous pas quitter Zom ici en Égypte. Joseph dit, Zom va nous arrêter en Égypte. Dans le pacat, mon Dieu, abonne nous, c'est pour Zom aller dans la terre pro, dans la terre promise. Parce que Joseph quoi pas quatre ça c'est une bénédiction que Dieu. Maintenant mindon bagaille, Dieu est en train de rendre visite à certaines personnes, à certaines personnes. La Bible, la visite de Dieu n'est pas seulement un truc de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais elle est arrivée à tout le monde. Bon Dieu visitait toujours les gens. Dieu donne toujours un pacad à certaines personnes. Et bon Dieu, dans pas cadre là, bon Dieu, qu'on change de destinée aussi. Maintenant, je vais vous dire, peu importe la situation là-dedans, réclamez pas cadre. Parce que pas cadre bon Dieu capable de changer de destination. Pas cadre bon Dieu capable de changer la vie. Pas cadre là qui a venu dans une situation côté ou bien, ou non déroute, bon Dieu châtie ou, mais le pape quitte ou perdu pour ça. L'elfine châtie ou la bonne direction qu'il doit bon là, pour le mener dans la destinée, il doit mener. L'elfine châtiot, la bénédiction qu'elle doit bon là pour le mener. Maintenant, mais nous, peu importe situation, dit Seigneur, j'ai besoin d'un pas, d'un pas cadre. Peu importe problème qu'on la donne, dit Seigneur, j'ai besoin d'un pas, d'un pas cadre. Peu importe maladie qu'on la donne, dit Seigneur, j'ai besoin d'un pas cadre. Situation difficile, ou pas un côté pour passer. Situation fait de l'eau couler dans les yeux. Gagner code qui m'arrête bien dans les rangs, ou par contre qui l'a délivré. Eh bien, il y a un dossier qui loue dans les rangs. Dit Seigneur, en cette année 2024, j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin, en cette année 2024, j'ai besoin un pacade dans ma vie spirituelle, un pacade dans ma vie de famille, un pacade dans mes finances, un pacade dans ma vie professionnelle, un pacade dans ma vie de couple, un pacade dans ma carrière, un pacade dans mon ministère. Dis Seigneur, j'ai besoin de... Parce que pacade là, l'Elvini, l'a testé où? Pour le purifier foi, pour le purifier conscience, pour le purifier engagement, détermination. Par cas de la lèle vini, l'a testé. Par cas de la lèle vini, l'a châtié. Pour le camette sous bon chemin. Par cas de la lèle vini, l'a béni. Que bon Dieu capable d'eau en 2024. Que bon Dieu capable d'eau en 2024. Pour dire Seigneur, chaque jour dans vous qu'on levez, dit Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin que le Seigneur vous bénisse. On va terminer ce matin. On va mettre fin à ce service. Je vous donne un slogan pour l'année 2024. Seigneur, j'ai besoin d'un pacard. J'ai besoin d'un pacard. Dossier à loup, pas capoter le poucanteau. Dis Seigneur, j'ai besoin. Maladie, elle est grave, médecin, pas qu'à comprendre. Dis Seigneur, j'ai besoin. N'a pas qu'à. Dossier immigration, on prend temps. Vous pensez qu'il t'a fini déjà. Mais elle a traîné toujours. Dis Seigneur, j'ai besoin d'un pas. N'a pas qu'à. Besoin d'un pas qu'à. Job là, difficile à trouver. Vous déposez CV partout. Pas qu'on entre vite, vini. Dis Seigneur, j'ai besoin. N'a pas qu'à.
ou un patron qui a bon panique dans le job là, et le job là c'est lui de payer bilo. Il dit, Seigneur, dans le travail ça, j'ai besoin d'un bacard. Projet à bacard marché. Projet bloqué. Tout ça on fait, pas grand-chose qu'à débloquer. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'un bacard. L'école là, un professeur qui a bon problème. Un professeur par une forme tête. Un professeur qui a bouleversé. Qui presque bon pression pour quitter l'école là. Il dit, Seigneur, matin, dans l'école ça, dans le job ça, j'ai besoin d'un pacat. J'ai besoin d'un pacat. Levez-vous. Levez-vous ce matin. Que ces lieux soient visités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à toi au nom de Jésus. Que ces lieux soient visités. Mets-le sur l'écran pour nous, s'il vous plaît. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu. Et descends au milieu de nous, posé sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Amen. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Gardez-nous, au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit pour nous. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Amen. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Amen. En cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons, alléluia, voir. On reprend ce couplet, que tes lieux, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Et que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi dans ton Seigneur et descends au renom. Alléluia. Posé sur quel enquête de feu. Nous venons lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit pour nous. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Fais mes yeux, levez mes mains en l'air. Seigneur, matin, moi bénis non, moi célébrer non, moi chanter gloire,
pour ça où il est, pour ça où il fait. Merci parce que tu m'aimes, la caille, dans la présence, pour me deviner adorer, pour me deviner bonne gloire, pour me deviner tant de paroles. Matin, Seigneur, moi encore béni non, parce que vous parlez de yon pacade qui est nécessaire dans la vie, soit pour tester foi, soit pour tester foi, pour retirer doute, pour retirer incertitude, pour retirer inquiétude, soit pour châtier, pour qu'on mène dans le bon chemin, pour qu'on mène dans la bonne voie, soit pour bénir, pour faire rentrer dans la destinée. M'a demandé au matin, permettre que 2024, nous capable de recevoir pas quatre ça, nous capable de recevoir pas quatre ça, dans la vie personnelle, moi, dans la vie famille, dans la vie entourage, moi, dans job, moi, dans vie professionnelle, moi, que pas quatre ça, 2024, capable d'une réalité, capable d'une réalité, capable d'une réalité, pour que m'kawe gloire, pour m'kawe gloire, pour m'kawe gloire. Pour me carrer gloire, pour me carrer gloire, parce que moi je voulais rentrer dans la destinée, moi je voulais rentrer dans le chemin tracé, moi je voulais rentrer dans la voie où je voulais me suivre là, moi prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche, bonne semaine. Demain soir 7h, 8h, 9h. Demain soir 8h, 9h. Sous Zoom, 60 minutes d'intercession à la gloire de Dieu.